Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Mission critique, opération forteresse, risque très élevé, ça va être chaud avec ce nouvel équipage tout neuf, tout beau, que l'on va déjà suicider sur un champ de bataille. Mais ça va bien se passer. Merci d'avoir joué. C'est chiant comme quoi. Moi je trouve ça très chiant en tout cas. Ça me fait plaisir. Sachez, j'adore être chiant, ça me fait plaisir. Vraiment ma passion. Alors faut détruire de la centrale, donc. T'as trois types de bombes là. Oui, du classico. Ça, le classico ça me va. Le classico c'est. C'est quelque part c'est. On est sûr de réussir. Tout du moins de pas trop échouer. Ce qui est chiant c'est que. Vous savez, ce qui est presque dommage, c'est qu'on ne peut pas naviguer sur la carte pour déjà savoir où est-ce qu'on va exactement. Où est notre objectif? Qu'est-ce que tu appelles dégager? Ah! Ah oui, si, d'accord, ok, on voit où on va en fait, j'ai rien dit. Zoom, ok. Pour me dégager, je vois pas à quoi. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. J'ai pas tout compris. On va aller dans l'économie de carburant. Hein. Ah, chasseur ennemi sur le radar, oui monsieur, en effet. Nous les avons localisés. Paf. Ah, je me souviens un peu du moment d'avion quand même. Juste tranquillement. On est prêt à se concentrer. Zone de danger proche ajoutée à la carte. Ok, on va y penser après. Hein. Charge mon pote. On va. J'ai bien envie de monter un peu. Dans le limite. Je sais pas si des autres flaques, je sais pas ce que c'est. Fais une petite reconnaissance, ma poule. Oh putain, il fait déjà redescendre. Ok, fais une plongée. On va se mettre droit sur. Hop, cherche. Ouais, j'arrive pas à te placer, cherche. Là, il faut me faire un petit tour de marquage auto, s'il vous plaît. On va déjà call du Spitfire. Ah non, j'ai rien dit. On fait pas ça. On ouvre les. Non, on ouvre pas les portes, non, on fait faire ça parce que j'ai bombardé le truc. Ça y est, je veux déjà échouer la mission. C'est déjà la panique à mort. C'est une claque. T'es ici. Charger. On vole un peu. Je pense qu'on va avoir un petit peu de calme pendant une période. Et on s'approche du pire. Bon poste, trajectoire confirmée. Que me dit la carte? On a passé la grosse zone de front. Ceci dit, on sait qu'on pourra faire le tour éventuellement par la côte. Oh, intéressant. Upshare, s'il te plaît.
Ça flaque là-bas. Ça a l'air flaque. J'aime pas très très beaucoup ça. Oh les portes. On est prêt, on a toujours été prêt. On est venu juste pour ça. C'est notre destin. Qu'est-ce que tu peux nous mettre un coup de taquet là-dedans? J'espère qu'on sera pas repéré. On va passer dedans, on va se faire avoir. On est passé à côté. Là par contre, on va se faire avoir. Ça y est, on est cramé. Ça y est, on est repéré. C'est pas grave, on est serein quand même. Aucune centrale, est-ce que tu peux me faire un marquage auto s'il te plaît? On est prêt à larguer la dernière, ça va bien se passer. C'est qu'une centrale après tout. Paf, c'est fermé. Hop, cherche le monde, tape là s'il te plaît, tac. Très belle rafale, messieurs. Très jolie, bravo. Voilà. Canon flag droit devant en basse altitude. Voilà, ou pas. Il y a des conneries, Jack. On a économisé du carburant. On va faire des crochets. Ça va bien se passer. Ah. Naviguons à la carte. Si on faisait un petit tour par là. Attends, tu me fais passer là? Carrément. J'en plus bas encore. Ouais, c'est si tu veux. Je pense qu'on va on devrait pouvoir se repérer aux étoiles. Je sais autant en moyenne altitude. On va essayer d'être un peu plus tranquille. Notre mécano là, on est quoi? On est sur un plancher qui se recharge. On va prendre un peu de soin, là. Pas trop chargé. Alors ça va. On va tenir encore une cartouche ou deux, ça devrait aller. Alors, je suis en train de valider, mais on n'est pas. Voilà, ça. Je serais bien repassé par là en fait. Vraiment, genre paf, tu montes à pas plus 180 degrés, et hop. Ouais, il va vraiment nous faire taper la ligne en fait. Hein. Moi je veux pas me taper la ligne. On va faire un petit tour. On va économiser tranquillement. On est pas pressé après tout. Vous êtes pressé vous? Moi je suis pas pressé moi. Moi c'est pour sauver mon crew, je suis trop content. Ouais. On va se faire soigner. Ah, on a eu le temps de soigner tranquillement tout le monde. Déjà, c'est une bonne chose. Ok, donc là on est dans le flou absolu, visiblement. Il y a du nuage, c'est chiant. On ne voit rien. Ah, on voit pas le genre là, on voit pas le. Ah ouais, non, on voit pas les. On voit aucune étoile. Ah, c'est pas. C'est pas fou. Hein.
Et c'est papa navigué. Enfin, il sait où, quoi. TKT. On est au bout du truc, carburant, 42 minutes de vol, on est très bien. Moi j'aimerais voir ce que vous donnez en haute altitude, maintenant qu'il commence à faire jour. Vous savez ce qu'il... Ah si, voilà, on a la température. Si, si, on a la température. Ouais, le pilotage du nuage. Oh, c'est très difficile, hein, surtout. Surtout ça en fait. Regarde, il fait bon là. On se lève, ça va, la température se maintient, ça va. Se pencher, ça se recharge. Allez, c'est bon. N'embêtez pas. Et ben voilà, tu vois, tu navigues super bien, tout en haut. Alors que tu dois avoir plus rien. 15% de sol. 14%. Oh, ça va, ça va. On reconnaît l'Angleterre, cette hauteur. Ça va, non, c'est bon, c'est valide. Ok. Bert, t'as rien à faire, va rechercher ton flingue. Ouais, pas pressé Bert. Pas pressé Bert. Vous avez trop de temps Bert. Fait plaisir Bert. Ah ça y est, là on se les caille hein. Ok, on descend. Et on redescend en basse altitude. Hein. Allez, plongez. Bon, j'ai traversé l'Angleterre, donc là je pense que... Ah, mais on est revenu dans les embrouilles en fait. Comment on retourne dans les embrouilles là? Quel moment on a fait demi-tour? À un moment donné, j'ai dû faire demi-tour, je l'ai pas capté. Ouais, on va par là. Enfin, si on peut les engrainer, y'a pas de problème. Ah, Radio Man. Là-haut. Rien, s'il te plaît. Ah non mais radio, je demande un marquage auto là. Ah plus les speed aussi là, c'est feignant. Emmenez-moi du feignant un peu ici. Pas aimé. Enfin Bert il a pas kiffé du tout. Mais genre pas du tout quoi. Ouais on recharge vite fait le poste auquel t'es quand même. Clac. Recharge ton truc. Ah merci chef, ça fait plaisir que vous soyez bougé. Est-ce que vous apportez le thé? Et dans le gros porteur bien sûr ce sont des Français. Mais où apporter l'apéro? Évidemment. Des gens étranges, c'est comme ça. Je comprends pas. Ouais, l'économie de carburant, on s'en pète, hein. Là, on a plus rien à faire. Ouais, c'est ça, on va tomber en 10 minutes, 5 minutes, on s'en fout, on est bien. Allez, Raptor Maison.
Allez, zoom pour bonhomme. Incroyable. Magnifique, regardez, ils sont tous tout frais. Et alors, c'était l'opération forteresse, c'était un succès. Incroyable. Forteresse menée à bien, 10 000 balles de photos, ça fait toujours plaisir, et 250 de recherche, c'est quand même très plaisant. Par contre, a-t-on gagné réellement de nouvelles choses? Ça, c'est ce qui nous intéresse aussi. Ah, il y a des compétences de mécano qui ont été montées. Le fuselage, nouveau fuselage, nouveau radar, attention. Nouveau fuselage, nouveau radar, de quoi qu'on parle, madame, s'il vous plaît? De quoi qu'on cause, je crois que le nouveau radar c'est mort, on pourra jamais l'embarquer. C'est plus chicolo. Par contre, grâce à ce nouveau fuselage, est-il possible d'économiser un peu de poids? Ah, on perd 500 quand même. Hein. Mais vas-y, on va pour l'installer, comme ça je peux prendre mon radar. Mon radar MK6++. Non, même pas! On est encore trop lourd! Ça embête de devoir taper sur le fuselage, hein. C'est quand même pas ultra intelligent de taper sur le fuselage. MK20, et pas de missile à bord, on est déjà relativement assez léger à ce niveau là. On peut passer en MK5 standard. Faire ça. Du coup, niveau matériel, niveau système, le radar devient possible, devient réalisable. Voilà. À 10 000 de portance, on est pas mal. Je pense qu'en termes de fuselage, on peut même rebasculer sur un MK5, sur un petit MK5 blindé, quoi. Non, on peut même pas. Ah là 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 là. Ça pèse, hein. Ça pèse dans la baraque, hein. C'est chaud, les ailes c'est mort, je dégraderai pas. Là-dessus je pourrais taper, mais bon. C'est surtout sur lui, hein. 200 kilos quand même. Mais bon, on garde quand même, hein. On aime bien. Il faudrait vraiment des moteurs plus balèzes, quoi. What was that? Ouais, c'est ça, il y a du chasseur ennemi, hein, du pilote. Du pilote de chasse à proximité de la maison. Eh ben écoutez, je vous propose de se prendre un petit pilote de chasse, là, comme ça. C'est gratuit. On va voir qui on va tuer aujourd'hui. Ça va être très intéressant. Alors, première chose, toi, on va pas servir de toi une seule seconde. Enfin, on va pas servir de toi comme il est prévu de s'en servir une seule seconde. Qu'on soit bien clair. C'est bon, t'as fait ton petit repérage? Bravo, mon poulet. Ok. Pilote, vis ton cul là-dessus, décolle. En avant. C'est parti. Voilà. Il y a encore une histoire de bombe. Donna Kale serait là. Oui, il y a des bombes. Il y a de la bombarde. Essayons de nous sortir cette pétasse. Recharge.
Charge. C'est prêt à bombarder. On va peut-être d'abord les abattre avant de bombarder. Je presque recharger en termes de concentration, ça c'est cool. Radio de recours, s'il te plaît. Tu appelles des speed tant qu'on y est. Tu seras bien après tout. Ok, upchurch, bascule ici. Claque l'affaire dans le sac. Tu peux rester à ton poste, Upchurch, il n'y a pas de problème. Bert, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien leur envoyer une bonne grosse sauce des familles? Est-ce que vous voulez bien les saucer comme jamais? À la paix, là. Voilà, à la paix, on les a mis d'accord tout de suite. Instantanément. C'est la paix, l'incendiaire, ça met tout le monde d'accord. L'incendiaire, ça ricoche un peu. C'est pas fou, quoi. Mais bon, quand tu t'en bouffes une, par contre, tu piques des yeux. Ah, bravo les petits pères, bonjour les petits pères, ça va les tiopères? Eh, tiopères! Allez, ça clique-claque. Ah, ça clique-claque tous les deux, c'est formidable. Miss, oui, faut, on va passer au-dessus, on n'aura pas le temps. Je crois qu'on a eu le temps. Bravo, choupette! Ah, ils ont ramené Donna. On va rester là. On va fermer la soute. Tu vas remonter là-dessus. Tu vas nous faire un petit marquage auto, s'il te plaît. Parfait. On est prêt, on est ready. On sort tout ce qu'on a. C'est très joli, ça. Ça, c'est très joli. Oh, les petits missiles. Vous savez quoi? C'est encore Bert qui a tout bouffé. Bravo, Bert. Bird, c'est le Kevlar, c'est le revêtement Kevlar de l'engin. Kevlarman, va te faire soigner. Ah, le pauvre, il a tout bouffé. Ah, c'est tout triste. Ouais, on va te mettre là-bas. Regardez, on a des petits pigeons là. Juste en dessous de Cartman. Un petit pigeon man. Ouais, ouais, retour à la base, un coup, hein, les gars, vous servez à rien de façon officielle. Ben, ça s'est très bien passé. Donna Kay est mort. Voilà, c'était bien. On l'a tous. On l'aimait tous. Hein. Ouais, allez. Brouillez-vous. Mettez le carburant dans les fenêtres. Incendie rechargé. Ça sert plus à rien. Calme-toi. C'est fini la guerre. Et là, on prend des photos. Ça. Donna Kail, usine. Oh là là là, 6000 balles. Hein. Il pleut un peu de pognon là. Hein. Ça fait plaisir. Et tout le monde a pris un petit peu de niveau tranquillement. Gentiment. Et ceci dit, plus de deux missions et c'est la fin. Hein. Tenu un, c'est la fin de cet arc là, ça c'est sûr. Ouais, pas de nouvelles choses débloquées de toute façon, donc ça sera bon. Ça sera bon, je pense, pour aujourd'hui. Hein. On va pas. Hein, c'est toujours du risque élevé.
Ça n'empêche, c'est ce qu'il avait avec pilote de chasse dans la zone. Dire en plus, il balance des 3 missiles par 3 missiles. Le pilote. Oh, faut aller aider la France. Il faut aller lourder du gouda. Il faut leur envoyer du fromage. Oh, faut larguer du fromage. Ça, c'est la mission. Ça, ma gueule, lourder du fromage, c'est lourd comme mission. Il ne nous en manque plus qu'un. Nico, Natzerer, et on les aura tous tués, ces petits cochons. Mais puisqu'on est sûr qu'il n'y a pas de pilote de chasse dans les environs, disons que le bunker de conception de chasseur peut commencer à devenir très intéressant à faire du coup. On verra ça donc une prochaine fois. La bombe engin doit être larguée à haute altitude. Alors couvrez-vous pour affronter le froid. Ouais. Faudra qu'on y pense. On va pas aimer ça. Je vous remercie, c'était Knarfanxur comme d'habitude Gaming pour Bomber Crew et je vous dis à la prochaine.